Soyez les bienvenus, amis de tous les âges, les enfants, les parents, les petits et les grands. Le cirque vous salue. Et les gens qui voyagent vous invitent à rêver près de trois heures durant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous prions de bien vouloir gagner vos places. Notre contracte a bientôt se terminé. Passionné devenu directeur d'un des plus importants cirques itinérants. Originaire du nord de la France, le monde du cirque le fascine depuis sa tendre enfance. À 18 ans et 3 mois, il quitte le bercail familial pour suivre le cirque Albert-Rancy, dirigé par Claudie Renotte. L'année suivante, en 1983, il est chargé des relations publiques chez Painter Jean Richard et apprend vite toutes les facettes du métier. En 1986, il décide de relancer une enseigne prestigieuse, Medrano. De ses débuts chez Albert Rancy à l'évolution du cirque, retour sur un entretien enregistré il y a 15 ans. Une étoile du cirque Raoul Gibot. À 18 ans, j'ai fait j'ai oui, j'ai fait ma valise et je suis arrivé au Cirque Rancy à l'époque en me disant bon, je les connaissais puisque j'allais de temps en temps passer le week-end et je côtoyais ce cirque qui était qui en fait visitait principalement le Nord Pas-de-Calais. Mais là, bon, je suis arrivé en disant que, en leur disant que cette fois-ci j'allais je restais. Bon, ils ont été très surpris en me disant mais qu'est-ce que tu vas faire au cirque Je sais pas. Euh, quelques jours après que Raoul soit arrivé, Claudie Renotte, directeur du Cirque Albert rancy Son parrain qui est un monsieur sénateur, je crois, est venu me dire, monsieur, vous laissez partir mon filleul et je vous mets des bâtons dans les roues. Je dis, monsieur le sénateur, allez-y, mettez-les tout de suite, parce que votre filleul est mordu du cirque. Et si ce n'est pas chez moi, eh bien ce sera dans un autre cirque, mais il fera du cirque. Et puis je sais vrai que la première année, j'ai fait plein de choses sans sans que ce soit très précis, mais justement, j'ai découvert le cirque et j'ai été confronté, j'irai à la dure vie quotidienne du cirque et je crois que c'est vraiment là où l'on peut peser euh, ou réaliser si l'on a vraiment la passion je dirais, on dirait tant qu'on n'a pas été confronté à cette réalité euh, c'est pour ça que très régulièrement j'ai des jeunes qui viennent me voir en disant on aime le cirque on fait du cirque moi je reste toujours très prudent en leur disant écoutez vous allez venir passer quelques jours et puis vous allez découvrir le cirque mais de l'autre côté et puis si vous avez réellement cette foi et cette passion il n'y a, a aucun problème vous allez je suis certain et eh bien euh, vous y consacrer et découvrir euh, euh, que vous êtes vraiment passionné si par contre vous n'avez pas réellement cette passion, eh bien dans ces cas les gens préfèrent repartir dans la vie, la vie quotidienne. Raoul Gibaud qui était donc l'avant-courrier. Explication de texte sur cette fonction au cirque. Avant-courrier, c'est d'une part trouver les villes où le cirque va se produire, mais également donc euh, les préparer, euh, coordonner un petit peu l'arrivée du cirque en fait. Euh, c'est un, un métier qui a un petit peu disparu. Euh, à l'époque, c'est vrai que les, les gens, en fait, y il avait, y avait un contact beaucoup plus direct. L'avant-courrier se déplaçait, précédait le cirque. Il faut dire aussi qu'à l'époque, vous arriviez, et il suffisait de préparer 8-10 jours avant l'arrivée du cirque et le cirque fonctionnait. Maintenant, j'irais un cirque. Qui n'a pas une forte commercialisation, avec un travail qui est fait plusieurs mois à l'avance, un cirque qui ne fidélise pas son public, a peu de chances, compte tenu des frais, euh, et bien de s'en sortir. Le cirque traditionnel se porte bien. Il représente 14 millions d'entrées par an. Il faut savoir que je dirais, toute ville peut-être bonne. Par contre, il est évident que vous avez des villes où, où il y a des traditions et où, je dirais par exemple on accueille tant de cirques par an chaque année à la même époque avec des spectacles de qualité et où naturellement le public n'est pas déçu et par conséquent on fidélise et on consolide tout cela et ce sont de bonnes villes. Il y a des villes où on accueille 10 12 cirques dans l'année et finalement le public s'effrite, euh, c'est pas très bon, c'est bon pour personne parce que vous savez c'est comme c'est comme un gâteau et euh, si on est 10 à se le partager, la part est plus petite. Bon euh, ce qui fait que euh, de toute façon, il y, y, y a de la place pour tous les cirques, pour les grands, les petits, les moyens. Les grandes agglomérations, je dirais plutôt les grands cirques, les agglomérations moyennes, les cirques moyens et les petites villes, euh, les, les, les petits cirques. Je dirais euh, si tout, quand tout cela est bien organisé, structuré, tout ça peut fonctionner. Et si nous abordions des sujets qui fâchaient déjà en 2005, la piètre qualité, la vision souvent désuète de cette multitude d'établissements. Sillonne les routes de France, ce qui entraîne d'ailleurs une dégradation certaine de l'image de toute une profession. Non, parce que je dirais que justement, euh, quand vous allez voir dans un village un petit cirque, ça a un autre charme, c'est autre chose. Bon, c'est évident que si ce cirque est installé sur la place où s'installe euh, tel grand cirque, Pinder, arles ou Medrano, bah, les, les gens s'attendent dans ce cas-là à avoir un grand cirque et bon, ils sont déçus parce qu'ils s'attendent à avoir autre chose. Donc, pour moi, c'est simplement, il faut que chacun se situe à sa place et je crois que dans ce cas-là, personne ne décevra. J'irai au contraire. Il euh, y a la magie du petit cirque qui existe aussi. Bon, euh, je veux dire, dans un village, euh, ça fait partie. Euh, c'est une des rares animations. Il, y a, il se passe pas grand-chose. C'est pratiquement la, la seule chose qui, le seul spectacle euh, d'art vivant et populaire qui euh, qui vient, qui vient comme ça, qui se déplace sur des sur des petites places. Donc euh, je crois que ça, c'est important aussi de de le maintenir. Et j'irai. C'est vous savez, le cirque qui fait sa représentation à 17h eh et bien euh, les enfants y vont mais ça donne aussi envie aussi aux enfants par la suite d'aller sur une autre grande ville voir un grand spectacle en famille c'est un tout un tout un tout cohérent et je crois que le tout c'est de respecter cet équilibre justement. Autre sujet qui 15 ans plus tard n'a toujours pas bougé d'un iota, la location d'un nom. Ce prestigieux clown disparu en 1993, Achille Zavatta, et c'est plusieurs dizaines d'établissements qui portent son nom. Disons que je ne, je ne porterai pas de jugement. Bon, c'est évident que j'ai mon avis personnel par rapport à cette question. Mais que voulez-vous Bon, euh, j'irai quelque part. Pour moi, ce n'est pas la faute de, de, de ces établissements, de ces petits cirques. Il faut savoir que certains petits cirques ont été obligés de louer le nom Zavata parce que dans les petites communes, quand on avait deux demandes, une Zavata et une euh, cirque de Paris, ou je ne sais pas, on préférait prendre Zavata. Donc, ils se sont également appelés Zavata. Moi, j'irai dans tout ça, c'est quand même. Bon, Bon, les principales responsables, euh, ce, c est, c est, ce sont ceux qui louent le nom parce que bon, c'est à eux de faire respecter et c'est également à eux de, gérer d'avoir le respect de, gérer de, de, de ce qu'ils représentent ou alors de ce que euh, leur, leur, leur famille a construit précédemment. Bon, mais ça, c'est, c'est leur problème personnel. Moi, c'est pas mon problème. Euh, vous savez, euh, le cirque, c'est une affaire aussi culturelle, mais également commerciale. Et il y a suffisamment de soucis à gérer sa propre structure moi ma devise de toute façon c'est de me battre pour conserver chaque année mes mêmes villes conserver mon public construire quelque chose et puis bon vous savez c'est comme dans tous les métiers rien n'est parfait une autre enseigne medrano qui fut louée de manière éphémère à jean richard avant d'être louée à raoul gibaud qui évoque sa rencontre avec Jérôme Medrano ben, Vous savez, ça n'a pas été facile. Euh, J'ai rencontré pour la première fois Jérôme Medrano en 1982 lors d'un colloque national du cirque qui était organisé à Valence. Et donc, euh, il a été, au départ, il, a, il était très froid. Et c'est vrai que bon, euh, Medrano, donc en fait, s'était retiré, donc le cirque. Euh, avait, avait cessé son activité en 1963 puisqu'il n'était pas propriétaire des murs. Hein. Il faut savoir que le cirque Medrano n'a jamais, euh, jamais fait faillite, mais simplement bon euh, le bail arrivait à terme, il a fallu qu'il quitte euh, qu'il quitte Paris et euh, un autre, une autre famille avait repris avait repris ce bail et donc On ils il... ils ont euh, non par non. respect. Euh, donc en fait, si vous voulez, il est évident. Bon, c'est une histoire passée. Bon, c'était. Mais euh, Jérôme Medrano, donc, euh, euh, s'était retiré et. Euh c'est quelqu'un qui, qui était vraiment passionné bon vous savez des gens de cirque euh, j'en comptois beaucoup euh, qui font ça par, de façon professionnelle euh, parce que c'est leur métier mais on peut dire que Jérôme faisait partie de c'était en même temps c'était un créateur c'était un rêveur euh, mais je crois que les deux sont liés de toute évidence mais il faisait ça avec encore une grande passion il avait une âme d'enfant il avait une générosité et euh, bon euh, justement bon il avait il était très sollicité on lui demandait euh, monsieur Médric, Rano, euh, votre nom, tout ça, bon, et ça, ça n'intéressait pas. Donc en 82, moi je, je le rencontre, mais pas du tout, du tout, si vous voulez, avec le, avec le. Mon but n'était naturellement pas du tout, du tout de. gérer j'avais pas dans la tête de louer son nom. Hein. Bon, c'était pour moi, je rencontrais jérôme Medrano, ça représentait, je ne l'avais jamais rencontré, mais quelque chose d'immense par rapport à l'histoire du cirque. Et j'étais, j'étais déjà ravi, sous le charme de pouvoir euh, le connaître, discuter avec lui. Et justement, de l'entendre raconter, parler, et bon, en plus, il avait plein de projets, et je vous dis, il rêvait, c'était quelqu'un qui était capable, euh, il, a, il a beaucoup inventé de choses dans le spectacle, vous savez, maintenant, on voit, on voit des spectacles de cirque avec, avec des éclairages, bon, il a été l'un des premiers à faire ça, voire le premier. Parce que les spectacles de cirque, ça se passait qu'avec de la lumière blanche. Bon, ben lui, il a tout de suite compris qu'il fallait mettre de la couleur. couleur. J'irais. Bon, il a été. J'irais. Il, il marquera à jamais l'histoire du cirque, car il a, il a. inventé. Il a créé beaucoup de choses. Et donc, euh, Jérôme. Bon, ben moi, c'est Monsieur Medrano. Naturellement, j'ai commencé à, à le connaître, à, à le rencontrer, à l'écouter. Et puis. Quand un jour euh, j'avais le projet de, de, de créer un cirque, je ne savais pas quand, eh bien il est vrai que Medrano, euh, même si Medrano était un nom qui avait été en partie oublié du grand public, euh, il, était, il représentait euh, quand même d'un point de vue purement culturel quelque chose d'important. Et il est vrai que bon, ce cirque Medrano en 87 a pu être créé en théâtre et dans les salles de spectacle avec la collaboration et surtout avec la participation financière, puisque nous n'avions qu'un moyen euh, donc de, de, de structures culturelles, de théâtres, de centres culturels qui ont été coproducteurs. Et euh, c'est vrai le, le fait d'associer cette image culturelle, ça a aussi séduit les centres culturels. Et Jérôme, a, en plus, a été a été fasciné par le projet d'un cirque en théâtre, car il avait dans sa carrière, il avait eu une semi-construction, il avait eu un cirque stable, il avait eu un chapiteau, mais le cirque en théâtre, même s'il y avait pensé, il ne l'avait jamais fait. Donc euh, le rapport euh, avec le, ce système de décor, de, de mise en scène, avec un spectacle traditionnel, ça, ça lui a plu. Il a dit, bah, finalement, ça, je ne l'ai pas fait, et ça me plaît, j'ai envie de le faire. Donc euh, on est parti au départ sur un contrat d'un an, qui par la suite a été renouvelé. Et la, la confiance étant établie ou s'établissant au fur et à mesure, c'est vrai que euh, on a signé pour plusieurs années et j'ai la chance maintenant de pouvoir exploiter ce nom jusqu'à la fin de mes jours. Donc, euh, c'est, mais tout ça s'est fait très, très progressivement. Et il a fallu naturellement lui prouver également ses compétences et, et surtout son, son respect par rapport à, à la marque, par rapport à ce qu'elle représente. Vous savez, chaque marque a son identité, Medrano a toujours été tradition et originalité, et il est bien évident qu'on continue de nos jours à, à concevoir et à travailler dans, dans le respect de, je dirais, de cette identité. Raoul Gibault qui n'est pas un enfant de la balle, comme Jean Richard, Bernard Paul du Cirque Rancali, Claudie Renotte, Alain Pachery, Le Prince Régnier, Guy La Liberté, pour ne citer que, comment expliquer que toutes ces personnes extérieures au monde du cirque ont tant contribué à son évolution on ne pourrait pas faire de cirque sans famille de cirque ça c'est une évidence par contre il est évident que et ce que vous avez dit est très juste c'est que on constate dans l'histoire du cirque que, que continuellement des gens extérieurs ont apporté parce que je crois que le cirque, c'est quand même bon, c'est très vite, c'est pas une routine, mais c'est un métier très absorbant, qui est très difficile, et puis c'est un métier qui ne cesse d'évoluer. Euh, le cirque, il faut, si l'on prend, si on analyse, hein, j'irai par rapport à la société, son j'irai le, le rôle qu'il joue, c'est le reflet d'une société, et l'homme a, be a besoin de se voir au travers de ce reflet, et en fait, c'est évident que cette, so cette société évolue. Donc, il faut naturellement, bon, euh, sans arrêt que ce cirque évolue. D'ailleurs, on dit cirque traditionnel parce que euh, c'est normal. Il y a une tradition qu'il faut respecter, il y a un héritage. On a construit quelque chose. Donc, de, de vouloir tout couper, c'est complètement incohérent. Le public y vient pour y voir certaines choses. Il est en attente de certaines disciplines, d'un certain reflet également de cette société. Un autre sujet qui fait rage sur les réseaux sociaux, le cirque dit traditionnel. Et tous ces passionnés qui s'obstinent, qui refusent la moindre évolution du cirque. Ça, c'est un autre problème. C'est parce que vous avez justement des gens qui aiment le cirque, mais qui, à une époque de leur enfance, ont, ont vibré et ont été marqués par cette époque et par ce spectacle dont il y a une certaine nostalgie, il y a, une certaine... il y a un regret parce que euh, c'est par rapport à cette vibration. Mais je crois que justement, bon, ça, c'est... Ces gens-là ont été marqués par le cirque, à tout jamais. Mais euh, quand, on, quand on fait du cirque, c'est-à-dire qu'on euh, on, l'aime parce que tous les jours on pratique le cirque, et non pas on l'aime par rapport à un instant vécu. C'est totalement différent, c'est deux choses différentes. Quand on est dans le cirque et qu'on en fait tous les jours, bon, on est bien évident de. On, on, on constate cette évolution, et on est obligé de, de justement à ce que ce, ce reflet continue d'évoluer. La seule chose qu'il faut être consciente, c'est qu'il ne faut pas non plus. Des fois, trop aller trop de l'avant parce que il faut continuer d'évoluer avec le public, au contact du public. En, être en harmonie. harmonie. C'est le public qui fait évoluer les cirques. C'est le public qui fait ou qui défait cet art. D'ailleurs, on l'a vu, hein, c'est-à-dire votre spectacle 2005. Il euh, n'y a pas que de la musique entre guillemets traditionnelle. J'ai entendu du village people tout à l'heure. Mais de toute façon, j'irai. Musique de cirque, ça n'existe pas. Euh, vous avez toujours eu dans le cirque des airs euh, actuels, anciens. Le cirque, c'est on peut tout y mettre dans un spectacle de cirque. Dire, il faut simplement savoir une chose c'est qu'au cirque, j'irais toute forme artistique ou culturelle à sa place. Le théâtre, euh, la peinture, euh, l'esthétisme, tout, 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 tout est présent. On y retrouve tout. Bon, c'est évident que par contre, il y a des valeurs qui, qui, qui évoluent, par exemple, l'exploit. Le frisson est, est toujours présent, mais beaucoup moins qu'à une époque. Bon, euh, de plus en plus, c'est l'esthétisme qui a remplacé... Mais ça, c'est justement parce que notre culture évolue. Parce qu'on vit dans un monde d'images, de même que vous savez, bon, Jérôme Medrano a été l'un des premiers il y a 40 ans à concevoir des spectacles extrêmement rapides au niveau du rythme. Et on a, à on l'époque, considéré qu'il s'agissait de spectacles accélérés. Euh, il, était, il était, à l'avant, en, en avant par rapport à son époque. Mais de nos jours, c'est normal parce qu'avec le zapping et compagnie, les gens ont l'habitude de ça. C'est leur mode de fonctionnement. Ça voudrait dire qu'un spectacle de cirque aujourd'hui, comme il y, a, il y a 20 ans, qui, qui durait à l'époque euh, 3 heures, c'est fini, ça. Heure. Ben, ça ne correspond plus à notre époque. C'est fini. Personne ne connaît la recette, mais quels doivent être les ingrédients indispensables d'un bon spectacle de cirque Il faut, d'une part, au niveau des disciplines respectées, euh, les animaux les clowns, les acrobates. Et on ne peut concevoir un véritable beau spectacle de cirque de nos jours sans animaux. Et les animaux sauvages font toujours partie, c'est une grande partie, une grande part du cirque traditionnel. Euh, sans animaux, c'est 30-40% de public en moins. Et je dirais, un cirque, c'est un spectacle populaire au sens large du terme. Et ça n'a aucun sens si vous vous séparez d'une partie de cette population. Ça n'a plus de sens. Donc, si vous voulez, donc il y, y a ces animaux très importants qui sont par moments contestés. Vous avez, Mais là aussi, vous savez, bon, euh, les animaux, on, on ira de plus en plus vers des numéros d'animaux où l'on fera, comme Bartabas en fait, de la mise en scène, où on mettra en valeur davantage le rapport ou l'esthétisme de l'animal. Bon, il est évident qu'on va aller vers des choses avec moins de matériel. Bon, il y a une évolution là aussi qui est en train de, de, de se faire progressivement. Le cirque d'aujourd'hui aura complètement changé dans dix ans et dans 15 ans, voire même dans trois ans. Donc, euh, c'est, je me dis pas ça y est, je suis, je suis arrivé, je suis arrivé à quelque chose, mais c'est pas suffisant. Il faut, faut continuer, d'évoluer, il faut continuer. On, on a une chance inuit nous avons un public. Et ça, c'est quand même. Par contre, vous savez, bon, il est évident que de nos jours, je suis pas inquiet inquiet par rapport au public, au spectacle. Des fois, ce qui m'inquiète, et c'est un phénomène qui n'est pas unique ou propre au cirque, c'est la complexité administrative. C'est malheureusement, on vit dans une société où une partie, euh, bon, je, je n'ai rien contre les fonctionnaires, puisque je suis issu d'une famille de fonctionnaires essentiellement, mais on est là, on, on complique tout, on, on en rajoute des arrêtés de ceci, des arrêtés de cela. Mais bien souvent, non pas pour non pas pour nuire au cirque, mais bien souvent, comme le cirque c'est une minorité, que le monde de l'itinérance est quand même peu représentatif et n'est pas reconnu en tant que tel bon c'est évident qu'on n'en tient pas compte et toutes, toutes ces, tous ces arrêtés bon c'est aussi bien au niveau des transports au niveau du dirais des conditions de travail au niveau de dirais euh, euh, vous savez au, au niveau des animaux sont pris sans, sans même euh, sans être conscient qu'on risque de détruire euh, une partie de une partie du rêve une partie de la magie bon du, du spectacle euh, parce que ce sont des gens parce qu'il n'y a, a pas réellement une reconnaissance de l'itinérance et je crois que dans les années à venir notre ministère de tutelle, qui est la culture, euh, qui bien souvent préfère le théâtre parce que euh, ça ne sent pas mauvais, et, ou le cirque, et, et, ou le cir ben justement, ça ne sent pas mauvais, c'est beaucoup plus simple à gérer euh, qu'un cirque, qu'un cirque avec animaux, des camions dans le gasoil, dans le froid. Euh, mais bon, euh, parce que bien souvent ces gens-là vont à la facilité, malheureusement. Euh, donc, si vous voulez. Il faut absolument se battre pour que dans, que dans les années à venir le cirque soit, euh, que en tout cas l'itinérance, le statut d'itinérance soit défendu et reconnu, et que que ce soit justement les conditions de travail, euh, que ce soit si vous voulez donc les transports, les animaux, tout, euh, eh bien euh, qu'il y ait un statut adapté à nos particularités.